Regardez un petit peu pour ici quand ça va en courant. Ouais. Ouais, vas-y, alors remets ton passe, ouais, on va te faire. Enfant, il vient, c'est là. On l'a vu. La Tour de France, on passe avant de voir en procès. Il se revient là. On nous retrouve par là. Et là, c'est bon, il y a. Ah, bah, c'est là, on va jouer là. Vous savez de ça? Ouais. Moteur. Et action! Bonjour madame, je vous prie de parler, s'il vous plaît. Vous avez entendu parler du Limousin? Regardez, à Poissy, l'usine du Médéfleur. Et celle-ci, là, la découverte du Rhin, des Vosges, la pratique du ski, de la pêche. Et ce qui est vrai pour l'automobile, c'est que sur les hôpitaux, au PTT, des secteurs. Écoutez-moi, bien monsieur. Il n'y a plus de choses à vous dire. Ce petit garçon que vous voyez là, jamais il n'ira au-delà de la mer.
ne va pas avoir de la misère, je vais parler du corps de France. Mais foutez-moi le carnet chez moi, monsieur. Je peux vous parler? Vous avez entendu parler du Bulidum pour vos enfants? Vous allez regarder, voici l'usine partout des fleurs. Et puis il y a la découverte du Rhin et des Vosges, la pratique du ski et de la pêche. Et ce qui est vrai pour l'automobile, mais aussi pour les hôpitaux, le PTT, un secteur en pleine expansion. Écoutez-moi bien, monsieur. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Ce petit garçon que vous voyez là, jamais il n'ira au-delà de la mer. Il n'ira pas voir de la misère sur les trottoirs de France. Foutez-moi le camp de devant chez moi, monsieur. Passez la calorie à avant. Faites la calorie à maman. On va faire. Qu'est-ce qu'ils font ici, ceux qui ont le baccalauréat? Ils servent de l'arbre au petit chemin. Tu as raison. Je vais travailler pour t'aider. Regarde, on n'a plus rien. Comment, papa? Jamais il n'ira de l'autre côté de la mer. Il n'ira pas voir la misère sur les ports de France. Foutez-moi le camp de devant chez moi, monsieur. Glisse, Olivier, glisse. À Paris, j'ai grandi en France et c'est vrai, pour la faire courte, je crois qu'on a besoin des deux endroits en fait. J'ai besoin d'être en France aussi, j'ai besoin d'y vivre à Paris, j'ai besoin parce que pour des tas de raisons, parce qu'il y a quand même des tas de choses qui sont intéressantes et culturellement et de la liberté et de plein de choses. Et en même temps, le retour au pays est quand même très important parce qu'on sent que c'est notre sang, quoi. On est chez nous, quoi. Et ça, c'est important. Je pense que je ne pourrais pas vivre forcément toute ma vie aux Antilles sans bouger de l'île, en fait. Et vice-versa, donc, de temps en temps, on a besoin de revenir chez nous et on a besoin de partir. Donc voilà, moi, je pense qu'en tant que négropolitain, si je peux le dire comme ça, je peux dire sur ma soixantaine ou depuis quelques années, j'ai besoin des deux endroits pour pouvoir m'exprimer et être pleinement heureux. Voilà. Maintenant, je pense que c'est pareil pour le jeune qui est né ici et qui est parti faire des études là-bas. Ça veut dire celui qui est parti faire des études là-bas, il a vu les bons côtés aussi de la métropole, et quand il rentre au pays, et ben soit il rentre au pays parce qu'il a décidé de mettre à profit chez lui ce qu'il a appris en métropole, mais je sens que de temps en temps, il a aussi besoin de retourner là-bas. Donc je pense qu'on a besoin, comme disait France, je crois qu'il y a une jonction, que soit ceux d'ici qui ont connu là-bas, à moins d'avoir un rejet total de la métropole et décident de revenir ici, chez eux, mais sinon en général, ceux qui ont passé quelques années, qui ont aussi apprécié un peu la métropole, eh ben, ils ont besoin des deux, quoi. Ils ont besoin de voyager en tous les cas. Nous, on connaît quand même pas mal de notre génération, hein, des gens qui sont ici, en fait, qui travaillent chez nous, enfin, qui travaillent chez eux, mais qui voyagent beaucoup, en fait. Hein, que ça soit pas forcément la métropole, mais qui sont à Cuba, enfin, qui voyagent un peu les États-Unis, qui bougent, pardon, les États-Unis, enfin, qui bougent en tous les cas, on va dire, dans l'océan caribéen. Mais qui préfèrent, qui sont revenus parce qu'ils s'expriment mieux, c'est plus leur vie d'être chez eux, que ce soit Guadeloupe, Martinique, dans la Caraïbe. Ils se disent, c'est là que j'ai envie de m'exprimer au niveau de ma profession en tous les cas. Mais ils nous disent tous d'ailleurs, mais je ne peux pas rester que là, j'ai besoin de voyager pour mieux revenir après. Je crois que dans les deux sens, on a un peu ça fait très pareil, voilà. Ah. Je vais déposer le plat. Allez.
j'avais pas pensé que ça serait danse. Merci, hein. C'était super. Tu t'es bien amusé? Ok, une autre? Allez, allez, vas-y. Thank you.